Bonjour, ici IT Jaybreak et aujourd'hui je vais vous présenter le déballage du MacBook Air. Alors c'est le nouveau MacBook Air, je vais vous le présenter tout de suite. Alors j'ai pris soin d'enlever le blister avant, hein. M'en voulez pas. Alors la boîte, hein, comme toutes les boîtes Apple, donc elle est blanche sur tous les Mac, elle est blanche. Il y a ici sur la façade avant le MacBook Air, sur ces deux extrémités là MacBook Air. Et bien sûr, sur le côté, on va tourner ça comme ça, le logo Apple. Alors, on va le déballer ensemble, hein, le nouveau MacBook Air. Alors, je vais poser ça sur son socle, comme ceci. On va faire une petite mise au point, et on va enlever la boîte. Attention. Tadam ! Le nouveau MacBook Air. Alors, il est super sympa. Ah, voilà. Là, je suis content, là. Alors, on va pousser la petite languette qui est ici. On va le soulever. Et il est ultra fin. Je vais le poser comme ceci. Et je vais vous montrer. Il est hyper fin. On peut voir sur les extrémités, là. Super. Il est vachement super. Alors, on va le mettre de côté. Et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc bien sûr c'est une boîte de Mac. Donc une boîte de Mac. Rien de bien méchant. Donc ici il y a bien sûr le petit guide d'utilisation de Apple. Donc Design by California. On va l'ouvrir. Hop, donc à l'intérieur il y a le petit guide d'utilisation. Bonjour en différentes langues. Les fameux stickers d'Apple qu'ils donnent à chaque fois lors d'un achat d'un produit, d'un de leurs produits bien sûr. Ensuite, j'ai acheté des câbles comme le VGA, le câble Ethernet, hein, parce que sur les MacBook Air, la prise Ethernet n'est pas disponible directement. Donc j'ai acheté ces câbles-là. Ensuite, il y a donc le câble d'alimentation, celui-ci comme ceci, celui-là aussi. Donc ça se relie à ça, donc vous connaissez sûrement. Hop là. Donc j'ai acheté en plus, donc ça c'est pas livré avec, hein, j'ai acheté en plus le câble Ethernet et le câble VGA. J'ai acheté aussi un AppleCare, bien sûr, hein, je vous le précommande l'AppleCare. Ça sert à, si par exemple il tombe en panne, vous pouvez l'échanger. Et aussi le câble HDMI. Donc un adaptateur. Donc on va retourner au MacBook Air, bien sûr, hein, c'est ce qu'on attend tous. Alors je vais refermer ça comme ça. Voilà, et je vais le mettre dessus. Comme ceci. Alors, on va essayer de l'ouvrir à une main. Ça va pas être facile. Je vais poser mon téléphone. Attendez. Hop là. Il faut d'abord enlever le plastique, bien sûr. Alors, je vais enlever le plastique. Hein. On tire sur la languette. Hop là. On va le retourner. Alors là, c'est une toute autre affaire. Toucher la matière du Mac, il est super. Alors là, franchement, j'ai bien fait de l'acheter. Alors, attention, on va l'ouvrir. Waouh! Alors, bien sûr, il y a le petit film pour protéger le clavier. Et regardez à quoi il ressemble. C'est juste magnifique. Le clavier est vraiment superbe. Donc, le pavé, hein, bien sûr. Il est super. Alors, franchement, je vous le conseille, hein. Bon, ça coûte un petit peu cher, c'est un Mac, hein. Mais il est super. Je suis hyper content de l'avoir acheté. Donc c'est le nouveau MacBook Air, hein. Je vous le conseille fortement. C'est un très très bon produit Apple. Il y a plusieurs catégories. Moi j'ai pris le 13 pouces. Donc j'ai pris le 13 pouces, hein, on peut voir en diagonale. Donc je vous le conseille fortement. C'est un très très bon produit Apple. On va se quitter là-dessus, hein. Voilà, donc c'était le déballage du MacBook Air.
Allez, au revoir.